chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Et tout d'abord, tous mes voeux pour les rameaux et pour cette entrée dans la Semaine Sainte, la grande semaine qui nous amène à Pâques, le sommet de l'année liturgique pour les chrétiens. Au programme aujourd'hui, nous allons discuter de nouveau avec l'abbé Hervé Benoît. Nous le recevions la semaine dernière pour parler de Saint-Ignace. Nous allons parler ensemble de la postérité de Saint-Ignace et du rôle qu'ont joué les jésuites dans la transmission, notamment la pédagogie jésuite, le fait de créer des écoles. Puis nous parlerons avec Gabriel Faugloire de l'Église et de la crise sanitaire. Gabriel Faugloire a dirigé une maison de retraite pendant la crise sanitaire et a été contraint à démissionner pour éviter d'appliquer des méthodes un peu radicales. Enfin, en tout cas, il a voulu aider au maximum ses pensionnaires et ça n'a pas été très bien vu. Et enfin, nous recevrons Arnaud Bouhan pour parler de l'évangélisation de la Bretagne, l'évangélisation précoce de la Bretagne. Eh bien, retour sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau l'abbé Benoît. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour cher Guillaume. Nous parlions la semaine dernière de votre ouvrage sur Saint Ignace, Maître Ignace, un cœur chaste et violent, dont je rappelle qu'il est paru chez Via Romana. Je rappelle aussi que vous êtes recteur dans le diocèse de Bourges d'un merveilleux sanctuaire qui s'appelle Notre-Dame des Enfants et que par les temps qui courent, comme Marianne V a l'air de détester les enfants et a décidé de constitutionnaliser l'assassinat, c'est un moment. On confie au chapelain de Notre-Dame des Enfants nos intentions pour les enfants et pour la France. Mais je voulais qu'on parle un peu, parce qu'on a parlé la semaine dernière de Saint-Ignace. Saint-Ignace, c'est Saint-Ignace lui-même, mais c'est aussi une extraordinaire filiation, les jésuites, alors qui ont eu une légende dorée, une légende noire, pardon. Et une légende dorée aussi. Et une légende dorée aussi, d'ailleurs, oui. Mais par ailleurs, les jésuites, enfin pour nous, Français, les jésuites, c'est peut-être d'abord cette extraordinaire capacité de transmission. Donc les écoles jésuites, les fameux collèges. Les fameux collèges. Et donc tous ceux aujourd'hui encore en France qui disent « j'ai été un élève des jésuites », c'est qu'ils sont passés dans des écoles qui ont été fondées par la compagnie. Et donc je voulais qu'on parle un peu de la pédagogie jésuite. D'abord, vous la définiriez comment? Par rapport à d'autres pédagogies comme l'oratorienne ou par rapport à la janséniste par exemple? Elles sont à la fois proches et lointaines. Alors évidemment, je vais employer un mot qui est très piégé, mais c'est une pédagogie humaniste. Hein. Alors évidemment, là, il faudrait 14 émissions. Oui. – Moyennement franc-maçon, mais humaniste. – Non, mais vraiment humaniste au sens de profond de ce mot, sans la manière dont il était galvaudé après, sans les critiques un peu étroites et injustes que l'on peut faire à ce mot-là aujourd'hui. Écoutez, comme point de départ, si vous voulez, parce que moi j'aime bien partir de choses concrètes, parce que les grands principes, j'ai un peu plus de mal. En 1538, lorsque les premiers compagnons de Saint-Ignace arrivent avec Saint-Ignace à Rome, ils ne sont rien. Mmh. Hein, et même moins que rien, parce qu'ils vont être accusés ils vont avoir un procès en hérésie, etc., etc. Ils ne sont rien. Ils ne sont même pas un groupe constitué. Hein. Mmh. Ils s'installent à Rome et ils font ce qu'ils veulent faire depuis le premier jour de leur rencontre à Paris, c'est se mettre au service des âmes. Et parmi les choses qu'ils entreprennent, ils ouvrent une école. Une petite école. Alors, pour ceux qui connaissent Rome, c'est au pied du Capitole. Il y a la station de bus juste en face, à côté du palais de Venise. Vous voyez, il y a encore quelques baraques noirâtres, etc. Et sur la porte de cette école, ils ont écrit la chose suivante. Nous sommes en 1538. Je cite texto. « École de grammaire, humanité et doctrine chrétienne, point, gratuit. » Et je crois qu'il y a là… – L'intégralité. – L'intégralité, tout est programme, dit. – Du programme. – Tout est dit. Alors qu'ils ne pensent absolument pas à devenir ni les éducateurs de l'Europe, ni des terres nouvelles, ni des colonies d'Extrême-Orient. Parce que, voilà, pour le salut des âmes, en vertu de la loi de l'incarnation… – Il faut parler aux enfants. – Il faut parler aux enfants. Il faut se faire comprendre des enfants, il faut parler leur langue. Donc, s'il faut parler leur langue, il faut la connaître.
il faut la manier avec talent. Avec talent. Il faut connaître l'histoire de cette langue, il faut connaître donc la culture. Au fond, les humanités, c'est ça. Donc, la grammaire, c'est la base, B-A-B-A. Les humanités, c'est tout ce qui va avec, c'est la culture. C'est le langage qui entoure. C'est toute la culture et qui, dans l'héritage même de l'Antiquité gréco-latine, est très large, puisque ça englobe la géométrie, la musique, l'astronomie. Voilà, les sciences n'en sont pas exclues. Elles sont à leur place, mais pas exclues du tout. Contrairement, là aussi, à la légende. Voilà. Et on termine par la doctrine chrétienne. C'est-à-dire tout ceci dans la perspective de Dieu. Mmh. Saint Ignace rappelle au début des exercices que nous sommes faits pour louer et adorer Dieu. C'est la seule vocation de l'homme. C'est son seul chemin. Mmh. Le reste n'est que, passez-moi l'expression, que littérature. Vous voyez, ce n'est qu'un chemin, c'est un pèlerinage. Et donc, tout cela est au service de l'homme, donc les humanités, mais un homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et du coup, tout prend sa perspective. Et le petit plus que j'aime beaucoup aussi, c'est gratuit. Ouais, alors attention, gratuit, ça ne veut pas dire, comment dirais-je, ça ne veut pas dire qu'on ne paye pas. Ça veut dire qu'on n'est pas dans l'utilitarisme. Mmh. Les enseignants comme les élèves font ça ad maiorem Dei gloria, pour la plus grande gloire de Dieu, pour devenir des êtres humains dignes de leur vocation. Et donc, il n'est pas question d'argent, pas question d'utilité. On n'est pas là pour apprendre un métier. Mmh. On est là pour apprendre à être des hommes, des chrétiens, des catholiques, catholiques romains de préférence, même si les jésuites vont être aussi... on va avoir quelques collèges en terre d'orthodoxie. Ah oui, j'ignorais ça. Ben, ce qui d'ailleurs, parenthèse aussi de la Providence, lorsque la Sainte Église catholique, apostolique et romaine aura supprimé la compagnie, c'est sur les instances de l'impératrice de Russie, Catherine, que le pape sera contraint à faire renaître la compagnie. D'accord. À partir des collèges qui avaient subsisté en terre russe. D'accord. Et alors, je laisse à nos téléspectateurs de broder. Mais alors, dans cette terre d'orthodoxie, ils étaient quand même catholiques romains, les jésuites. Oui, oui, ils étaient au service des chrétiens polonais, galiciens, etc. Mais par exemple, comment l'impératrice orthodoxe de Russie gérait la crise ? L'excellence de leur éducation les rendait incontournables. Les a rendus surtout incontournables, surtout un modèle. D'accord. Et donc, il y a même des ecclésiastiques de haut rang de l'Église orthodoxe qui ont copié carrément. D'accord, d'accord. Et là, il y a l'embryon de l'Université de Moscou est une copie du collège jésuite. Alors, j'ai oublié le nom ukrainien ou galicien, je ne sais plus, Moïla ou Mogila, un nom comme ça. Et l'Académie de Moscou en est une copie. D'accord. On apprenait le latin, les ecclésiastiques orthodoxes du temps de la Grande Catherine, dans leurs études, le cursus de latin était obligatoire. Vous voyez, donc, on s'est un peu éloigné, mais... – Alors, revenons par exemple à Paris, où on sait que, typiquement le 18e a été un affrontement très dur entre la pédagogie janséniste et la pédagogie jésuite, pas uniquement, mais enfin, ça a été entre autres un sujet autour de... Et une partie de la Révolution naît de cet affrontement. Alors, est-ce qu'il y a eu une opposition pédagogique honnêtement, vous me coincez. Justement, ma question, c'était est-ce que les jansénistes ont fait la même chose que les jésuites, et simplement parce que leur idéologie était différente? Je le croirais volontiers. D'accord. Je le croirais, d'autant plus que beaucoup d'entre eux ont été d'anciens élèves des jésuites. Donc, je pense, au point de vue de la méthode d'enseignement des langues anciennes, etc., il faudrait interroger de plus savant que moi là-dessus. L'idée générale, c'est que les jésuites ont donné le modèle de ce que c'était qu'un lycée, et tout le monde s'est appliqué à copier le modèle. Y compris les protestants. Parce que je vous ai parlé de l'orthodoxie, mais à Genève, le lycée de Genève, est une copie des collèges parisiens, qui eux sont aussi le modèle pour Saint-Ignace. Parce qu'en fait, si vous voulez, pour faire très court, la généalogie est la suivante. À la naissance du monde moderne, dans la vallée qui va de l'embouchure du Rhin jusqu'à la plaine du Pô, dans les régions qu'on appelle rhéno-flamandes, naît la société bourgeoise, naît la banque, naît le crédit international, le capitalisme international, etc. Et cette bourgeoisie demande une éducation que ni les ordres monastiques, ni les congrégations traditionnelles comme les dominicains ne peuvent leur fournir. Et ils prennent sur place
dans une petite expérience spirituelle qui naît, qui s'appelle la Devotio Moderna, pour faire court, nous a donné l'imitation. Mmh. Et ces personnes qui sont là pour l'oraison, pour la Lectio Divina, voulant vivre une vie chrétienne fervente, eh bien, ils apprennent à lire. Et ils apprennent le grec et le latin pour lire les pères. Pour lire l'écriture et les pères. Mmh. Et les pères. Et comme ils sont savants, quand les bourgeois de Rotterdam ou d'Amsterdam ou d'Anvers ont besoin d'éducateurs pour leurs enfants, c'est eux qui s'intéressent. Alors, ils ne veulent pas forcément qu'ils apprennent le grec et le latin pour lire Cicéron mm-hmm. ou l'Iliade dans le texte, mais en tout cas, ils ont besoin de profs et ils prennent ces gens qui sont sérieux, d'accord. qui sont désintéressés, mm-hmm. d'où la d'accord. fameuse gratuité, mm-hmm. qui ne sont pas là pour faire du chiffre en termes de réussite au bac, et qui sont sérieux et qui proposent aussi une éducation chrétienne. Mmh. Et ce sont eux, en fait, c'est dans les Pays-Bas actuels qu'est inventé le système des classes de niveau, d'accord. de préparation à l'université, de répétition du maître unique dans une classe unique, par, etc., etc. Tout un système qu'on va retrouver, même le nom des classes, première, deuxième, troisième, etc. Tout cela naît à ce moment-là. D'accord. Il est transposé à Paris, dans les collèges, c'est-à-dire les maisons où vivent les étudiants, qui entourent l'université, au quartier latin, mm-hmm. dans lequel le système est peu à peu copié et développé. Et c'est là que des étudiants espagnols, savoyards, portugais, etc., qui deviendront les fondateurs de la Compagnie de Jésus, reçoivent eux-mêmes leur propre éducation. D'accord. Et lorsque eux-mêmes sont contraints à former leurs propres disciples, les premiers novices qui arrivent. Ils n'imaginent pas un autre système que celui-là. Plus les frères et les cousins et les petits-cousins de leurs novices qui disent ah, mais c'est la meilleure éducation, c'est chez les bons pères, on vous confie vos enfants, tenez mon bon père, voilà pour vos œuvres. Ainsi naissent ces institutions d'éducation, avec toute cette tradition, encore une fois, de grammaire, d'humanité, de doctrine chrétienne et de gratuité. – Et de gratuité. Merci beaucoup, cher monsieur l'abbé. Je rappelle que vous venez de publier « Maître Ignace, un cœur chaste et violent » chez Via Romana, avec une préface du cher père Jean-François Thomas. – Que je remercie beaucoup. – Et voilà, c'est une préface qui est, elle aussi, très intéressante. Le jésuite commente la le regard décalé du clerc diocésain sur saint Ignace. Très sérieusement, c'est un ouvrage, chers amis téléspectateurs, que vous devriez absolument lire. Je pense que votre idée de saint Ignace va un peu changer, et donc des jésuites par ricochet, va un peu changer. En tout cas, la mienne a changé. Merci, monsieur l'abbé. Merci beaucoup. Eh bien, retour sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Gabriel Faugloire. Bonjour Gabriel. Bonjour Guillaume. Vous venez, il y a quelques semaines ou mois, vous avez publié « L'Église et la crise sanitaire ». Ça fait quelques temps qu'on est un peu sorti du n'importe quoi gouvernemental sur le Covid. Donc c'est peut-être le moment de commencer à réfléchir un peu à ce qui nous est arrivé. Privation de liberté, privation de culte. Propagande parfois délirante et contradictoire. Votre livre est un très précieux outil pour se poser la question qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on pourrait éviter ça la prochaine fois, etc. Et donc je voulais qu'on parle un peu tous les deux de cet ouvrage. Alors juste pour fixer le débat, vous étiez, si je puis dire, aux premières loges, puisque vous étiez directeur d'EHPAD, maison de retraite. Absolument, oui. Et donc, vous avez vu le n'importe quoi covidique en première loge, parce qu'on vous a demandé de dire aux petits vieux, maintenant, vous n'avez plus le droit de sortir de votre chambre. Exactement. Donc, ça a commencé par une sidération et le premier discours d'Emmanuel Macron. Mmh. Qui annonce l'instauration d'un confinement donc de manière inédite et surtout l'enfermement de nos aînés dans leur chambre. Et puis après, comme vous dites, tout un tas de mesures ont suivi. Mais voilà, donc je n'ai pas accepté, on va dire, j'ai cru comprendre ce message et donc j'ai tout mis en œuvre pour sauvegarder la dignité
et la liberté de nos aînés. Les relations sociales, en quelque sorte. On sent que un des enjeux, c'était de faire en sorte qu'on puisse continuer à parler à nos aînés. Quoi. Absolument. Donc, j'ai pas fermé les portes. Donc, chacun était libre. Voilà, s'il voulait fermer sa porte, il n'y avait aucun souci. On a mis en place des petits salons, salle à manger, où les résidents pouvaient se retrouver. J'ai pas imposé le port du masque. J'ai jamais mis de plexiglas dans l'établissement. Et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de signer des autorisations exceptionnelles de visite pour que les familles viennent voir leurs parents. Voilà. Et alors, le livre commence, c'est pas le tout début, mais il y a plusieurs pages ou dizaines de pages sur la chronologie de cette crise sanitaire. Mmh. Et en fait, quand on relit ça avec le recul, on se dit, mais c'est dingue ce qu'on a pu accepter. Parce que d'une semaine sur l'autre, on nous dit le contraire avec le même aplomb. On nous dit le vaccin sera pas obligatoire, il devient obligatoire. On nous dit le masque sert à rien, il devient obligatoire, etc. etc. Quand on vous lit, évidemment, moi je suis assez peu dévot de la gestion macronienne de la crise, mais je veux dire que la lecture, j'allais dire, d'un seul coup, de 2 ans de crise, on se dit, mais c'est dingue, comment ça s'est passé ? C'est dingue. Ouais, c'est exactement ça. Et alors, peut-être maintenant, on va en venir au gras, l'Église et la crise sanitaire, parce que le gouvernement fasse n'importe quoi, on commence à avoir une certaine expertise de ça, mais ce qui est beaucoup plus problématique, de mon point de vue en tout cas, c'est que l'Église n'a pas été non plus très alerte sur la défense des libertés publiques, la défense de la dignité des plus vieux, des malades, le simple fait de réclamer la liberté du culte, le simple fait de réclamer qu'un mort, ça se traite comme un mort humain et pas comme un chien, etc., enfin, ce genre de choses. Là aussi, dans votre livre, c'est très frappant de voir qu'il n'y a pas eu d'autorité ecclésiale disant « ça suffit ». Absolument. Donc, c'est clair que moi, j'attendais rien du gouvernement d'Emmanuel Macron pour améliorer les choses. Par contre, j'attendais une parole. Une parole d'autorité au niveau de l'Église. Et non seulement elle n'est pas arrivée, mais il y a eu aussi des paroles partisanes. Je me souviens, je relis mes notes là pour avoir les dates. Donc, le 21 décembre 2020, la Congrégation pour la doctrine de la foi, donc au Vatican, estime que le recours à des vaccins conçus à partir de cellules de fœtus spontanément avortés, voilà, était acceptable en cas de danger grave. Ok. Le 22 juillet 2021, à la conférence des évêques de France, donc là, on revient chez nous, qui indique dans une tribune qu'il est logique d'accepter le principe du pass sanitaire, voilà, et se positionne clairement du côté des pouvoirs publics. Ouais. Et puis le 18 août 2021, notre pape François, voilà, qui déclare dans un message vidéo que se vacciner est un acte d'amour. Ouais. Voilà. Tous ces messages, en fait, de ce que renvoyait l'Église, c'était aussi, il faut qu'on soit responsables les uns des autres. Néanmoins, je trouve que c'est pas juste de voir la chose de cette façon-là, parce que Jésus, il a jamais dit qu'il fallait qu'on soit responsable des uns des autres. On n'est pas responsable de la santé de l'autre, de son hygiène de vie. Par contre, Jésus, il a dit aimez-vous les uns les autres. Donc, je dois prendre soin. Et qu'as-tu fait de ton frère Et qu'as-tu fait de son frère Je dois prendre soin de mon prochain. Ouais. Là, je crois que c'est triste de penser que l'Église, elle a un peu joué le rôle du prêtre et du lévite dans la parabole du bon samaritain. Ouais, c'est ça, ouais, c'est tout ça. Voilà. Et ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que j'avais l'impression que l'Église, en dehors de BFM et des médias dominants, n'avait pas d'autres informations, quoi. Tous les mensonges qui ont été proclamés n'ont jamais été démentis, ou au moins on peut avoir le doute. Je pense notamment au traitement précoce. C'était évident qu'il y avait des choses qui pouvaient marcher. Ouais. L'hydroxychloroquine, qui a été tant attaquée avec le professeur Raoult, elle avait marché à l'épidémie de SARS-CoV-1 en 2002. Donc c'est normal que le gars se dise, on va le ressortir, on va essayer. Bien sûr. Non. Et là, j'ai au tout début, après le discours de Macron, ce qui m'a sidéré aussi, c'est... je crois que c'est le 25 mars 2020,
un décret, on reçoit un décret, les directeurs, puis dans les hôpitaux, interdiction de prescrire de l'hydroxychloroquine. OK. Le lendemain, le 26, un décret qui la autorise en EHPAD l'usage du Rivotril, qui est un puissant sédatif, dont on sait qu'il amène la mort, qui était possiblement utilisable par les médecins, parce que de toute façon, ils n'avaient rien d'autre à faire à part le paracétamol à donner. Et le paracétamol, ça ne guérit pas du Covid. Voilà. Donc, beaucoup de scandales, beaucoup de mensonges. Et derrière sont arrivés les vaccins pour nos aînés. Donc, moi, je l'ai vécu. Je suis parti juste après, puisque je suis parti le 1er février 2021. Après que mon conseil d'administration considéré que je prenais trop de risques. Ils m'ont dit, Gabriel, soit tu dégages. Ça a mis fin à mon parcours. Peut-être pour revenir à la situation de l'Église, vous dites quand même, parce que il y a l'Église institution évidemment et qui a pas été très glorieuse dans cette affaire, mais vous citez quand même plusieurs prêtres, je pense à l'abbé de Maistre. Il y a quand même plusieurs prêtres qui ont eu le courage de célébrer des messes, qui ont eu le courage de prendre parti, de parler. Vous en parlez aussi. Ça fait partie aussi de l'Église et de la Chrétienté. Et quelle bulle d'oxygène ça a été, il y a vraiment eu l'impression de pas être tout seul, quoi. Voilà, c'est ça. Et d'avoir un père. Ouais. À la fois chez les prêtres, donc vous l'avez cité, une prêche extra de l'abbé Philippe de Maistre. Ouais. Mais il y a aussi le frère Jean-Marie Bozo du prieuré de la Sainte-Baume qui a écrit une très belle lettre pour tous les pasteurs. Et puis j'ai aussi vraiment été enchanté de la lettre de Monseigneur Hayé, l'évêque de Bayonne et d'Oloron, qui a fait une lettre ouverte à ses diocésains et qui levait toutes les bonnes questions. Et ça fait du bien. Ensuite, il y a aussi eu des collectifs de chrétiens, le collectif Saint Antipas qui est partenaire du livre, qui s'est réuni autour d'un manifeste. On peut rappeler que Saint Antipas a vraiment existé. Alors en plus, voilà, tout à fait. C'est un jeu de mots, mais c'est pas. C'est un des premiers martyrs, qui est cité dans les Actes des Apôtres, absolument. C'est le clin d'œil. Voilà. Ça fait charmant. Saint Antipas. Mais allez-y, continue sur la santé. Et puis également, il y a eu des philosophes chrétiens, donc je pense à Martin Stephens aussi, qui a écrit sur le pass sanitaire en disant une défaite de la morale. Puis une défaite de l'humanité, en fait. C'est même pas tellement le comportement moral à l'égard des plus anciens, à l'égard de ceci ou de cela, ou à l'égard des fœtus avortés. C'est aussi simplement le fait de regarder mon voisin comme un être humain. On avait l'impression que mon voisin était devenu mon pire ennemi parce qu'il allait me transmettre le virus. Et tout ça basé sur un mensonge, parce que c'était faux. Et aujourd'hui, avec le recul, des statisticiens qui ont travaillé les chiffres, même s'ils ne sont pas reconnus par nos autorités, évidemment. Mais enfin, la létalité n'était pas plus forte qu'une grippe classique. Il y a eu une distance qui a été mise entre les gens et qui a créé énormément de dégâts. La gestion de la crise, globalement, pour moi, elle a tué beaucoup de gens. En tout cas, elle a rendu malade plein de gens. Parce que ne pas traiter, laisser chez soi, ne pas voir les gens, ne pas sortir, c'était plus la vie, en fait. Ouais, c'est pas la vie. C'est la survie, c'est autre chose. C'est ça. Donc, en fait, les gens étaient amenés à chercher à gagner des jours sur leur mort plutôt que gagner des jours de vie, quoi. Donc, ça va pas. Gabriel Faugloire, l'Église et la crise sanitaire, c'est paru aux éditions Saint-Léger. Merci beaucoup, Gabriel. C'est vraiment un très beau témoignage de cette époque absurde que nous avons vraiment vécu. Mais si on l'avait pas vécu, on croirait que c'est du roman et du mauvais roman. Mais en l'occurrence, c'est vrai. Et je trouve que vous posez des bonnes questions et vous invitez à redécouvrir la vérité et le côté libérateur de la vérité, je trouve que et en particulier vous citez beaucoup la Sainte Écriture comme une façon de répondre à la propagande, et je trouve que c'est tout à fait sanitaire. C'est ce qu'il faut, voilà. Merci cher Gabriel. Donc l'Église et la crise sanitaire, merci beaucoup.
Eh bien, retour sur le plateau de Terre d'émission et j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Bouhan. Je ne sais pas si vous vous souvenez, chers amis téléspectateurs, nous l'avions reçu ici pour parler de l'évangile de Clovis, titre un peu provocateur. Nous allons parler aujourd'hui de l'évangélisation de la Bretagne au 1er siècle, tout titre quasi aussi provocateur, parce que évidemment beaucoup de critiques historiques ne croient pas que ce soit le cas, que beaucoup de critiques historiques pensent que le sud de la France a été évangélisé au 1er siècle, jusqu'à Aix, Marseille, Arles, mais la Bretagne paraît un peu lointaine, éloignée de ce foyer gréco-latin. Et donc Arnaud Bouhan, lui, défend la thèse d'une évangélisation précoce de la Bretagne. Alors, expliquez-nous, Arnaud, bonjour d'abord. Bonjour. Expliquez-nous, qu'est-ce qui vous fait penser que la Bretagne a été évangélisée au 1er siècle ? Eh bien, d'abord, j'ai lu dans de vieux livres un vieil historien qui s'appelle Albert le Grand, ouais, qui était un jacobin et qui prêchait des missions dans les petites paroisses. Alors, jacobin au sens dominicain. Dominicain. Pas Robespierre, quoi. C'est ça. Et dominicain qui prêchait des missions dans les paroisses, un petit peu comme le Père Monnoir plus tard. D'accord. Et il avait l'habitude de prêcher la vie des saints de la paroisse dans laquelle il se trouvait, parce qu'il avait remarqué que les Bretons étaient particulièrement attentifs. Ouais. Et donc, il a fouillé quantité de paperasses, il demandait tous les renseignements d'une paroisse, et puis préparait son sermon. Et un jour, ses supérieurs ont regardé, ont dit « c'est intéressant comme document, ça. D'accord. Faudrait publier ça ». Il s'est mis à publier ça, et on est au XVIIe siècle, avant la Révolution. Mm-hmm. Et comme chacun sait, à la Révolution, ils ont brûlé plein de papiers. Mais on a gardé ce texte de Albert le Grand, d'accord, qui raconte ces trois histoires dont je parle dans ce livre-là, à savoir de trois traditions du 1er siècle, par lesquels l'évangile est arrivé dans ces contrées. Et ça a été une découverte pour moi. J'y croyais comme vous, comme la plupart des Français et des Bretons, mm-hmm, que l'évangile est arrivé tardivement. Et non, là, on découvrait ça. Du coup, j'ai voulu faire une quête, me rendre sur place à partir du livre. Ouais. Et là, j'ai trouvé quantité d'éléments, de documents, des vitraux, des reliques, des cantiques, des histoires, et puis des gens qui croyaient à ces traditions. Je me suis dit, c'est un trésor, il faut approfondir. Et pendant trois ans… – Il y a encore des gens qui croient à ces légendes, entre guillemets ?– Très peu, très peu. Très peu, surtout pour celui du Nord qui s'appelle Drenalus. Mais j'ai trouvé le Carmel de Morlaix. D'accord. Et une sœur, l'ancienne prieure, m'a dit « j'ai appris cette histoire le jour où je suis rentré au Carmel de Morlaix ». Elle n'était pas dans les livres, mais les sœurs anciennes avaient transmis cette histoire. Okay. Racontez-nous un peu ces trois histoires pour venir dans le vif du sujet, si je puis dire. En très bref, il y a trois apôtres qui viennent. Le premier, c'est Saint Maximin, le Saint Maximin de Provence, que de vous Provence, avez vu tout à l'heure, qui a été 40 ans avec Dex. On sait ça quand on ouvre les documents en Provence. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'un jour, Saint-Pierre lui a dit « c'est bien d'être à Aix, il va falloir étendre le règne du Christ ». Et en l'an 63, dit donc cet Albert le Grand, il a été envoyé et il est désigné comme le premier évêque de Rennes. En 63, il bâtit Notre-Dame de la Cité. Aujourd'hui, c'est Saint-Melaine, Notre-Dame de la Cité. Tous les Rennais connaissent, mais ils ont oublié que c'était en 63 et que c'était Saint-Clair. D'accord. Et que c'était le même Saint-Clair que le compagnon, l'intendant de Béthanie de Sainte-Marie-Madeleine. Donc lui, c'est le premier. Et le second, c'est en 69. Donc là, Saint-Pierre est mort, martyrisé, puisqu'il est mort en 67. Ouais. Et en 69, son successeur, Saint-Lin, comme on dit dans la messe, Lin, c'est celui juste après Saint-Pierre, et envoie en mission ce clerc, Clarus, donc un Romain, à Nantes, premier évêque de Nantes. Et il lui donne, parce que c'est Saint-Pierre qui l'avait converti, il lui donne le clou qui avait servi à crucifier la main droite de Saint-Pierre. D'accord. Si bien qu'on a dit en Bretagne longtemps, autrefois, que la foi des Bretons était attachée à Rome, comme ce clou avait servi à accrocher la main droite de Saint-Pierre. C'était tout un symbole. Une jolie histoire. Oui. Et quand les protestants… Donc ça, c'est pour Saint-Clair, qui est le premier évêque de Nantes. De Nantes, d'accord, en 69. Et le premier évêque de Rennes, j'ai pas entendu son nom. Saint-Maximin. Saint-Maximin. Le Maximin. Ah oui, d'accord, c'est le Maximin d'Arles. Ah oui. Okay, d'accord. Oui, on a du mal à faire la conjonction, mais c'est bien lui. Et le troisième ? Et juste avant le troisième, quand les protestants ont vu ce clou, ils se sont dit, c'est pas possible. Ce rattachement de la Bretagne à Rome, ils ont pris le clou et l'ont jeté dans la Loire. D'accord. Mais l'histoire du clou demeure. D'accord. Et le troisième, c'est Drenalus, c'est encore plus stupéfiant et plus inconnu, parce que tout le monde connaît Saint-Clair de Nantes, sans savoir son histoire, tandis que Drenalus, même le nom a été perdu. Et en fait, lui, il s'agit d'un disciple de Saint-Joseph d'Arimathie, figurez-vous, d'accord, qui était lui qui avait établi son siège à Glastonbury, en Cornouailles anglaise, avec 12 disciples.
Et un jour, il envoie deux de ses disciples, donc Drenalus et son diacre, Congal, ils partaient toujours à deux, et il l'envoie en Armorique étendre le règne de cette chrétienté, du coup, beaucoup plus celtique qu'à Nantes. On comprend plein de choses comme ça. Et ils arrivent au port Saliocane, près de la pointe Saint-Mathieu, c'est-à-dire tout au bout, vraiment près de Brest. Ils remontent à Morlaix, et là, on est en 72. Pendant un an, il évangélise Morlaix, et on dit que toute la ville a été convertie, d'où le Carmel de Morlaix, qui est fondé au XVIIe siècle par un évêque qui croyait encore à cette histoire, sur la source présumée de Drenalus. Source qui se trouve encore sur les lieux, etc., avec plein de traditions que je raconte un petit peu. Et au bout de cette année, il déplace son siège épiscopal parce qu'il cherche la capitale des Romains et des Druides. Et à ce moment-là, c'est le Yodet, qui est plus du tout connu maintenant, c'est un petit village à côté de Lannion. Et c'est là qu'il va planter son siège épiscopal et convertir les druides et planter le premier évêché jusqu'à ce que les Normands viennent et ravagent tout. Et à partir de quoi, l'évêché va être transporté à Tréguier. D'accord. Mais pendant 9 siècles, l'évêché était au Yodet. Et il y a dans ce petit sanctuaire, cette petite chapelle qui existe encore, une vierge couchée, vraiment dans son lit. C'est tout à fait stupéfiant. Il y en a très peu, il y en a quelques-unes en Bretagne, mais c'est là l'origine de cette dévotion, de la vierge couchée du Yodet. Et parce que les druides attendaient une vierge. Mystérieusement, les païens étaient préparés à l'annonce du Christ par cette vierge. D'accord. Voilà. Et donc c'est la vierge en dormition ou c'est... Non, c'est la vierge qui va enfanter, disaient les druides. Ah d'accord, pardon. Et donc quand les prédicateurs missionnaires arrivent, ils disent, cette vierge que vous attendiez, ça y est, elle est venue, elle est de Galilée, etc. D'accord. Ils ont ajouté l'enfant Jésus. Et on a toujours 2000 ans après cette configuration. D'accord. Donc voilà, tous ces éléments-là font que je suis maintenant vraiment convaincu que cette... Et alors, comment est-ce que ça se situe? Donc, j'entends bien le récit du dominicain du XVIIe siècle. Par rapport à la critique historique, comment ça résiste? Qu'est-ce qui est assuré? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Moi, à mon avis, ce qui est assuré, c'est ce que l'Église a prêché jusqu'à ce Albert le Grand. On a, donc lui, c'est 16e, 17e siècle, on a 17 siècles à peu près d'unanimité, il n'y a pas de contestation. D'accord. Mais à partir du moment où les protestants vont dire « Oui, mais vous, les catholiques, vous croyez n'importe quoi parce qu'on vous le dit », il y a beaucoup de catholiques, et y compris des bénédictins, en Bretagne, c'est Dom Maurice et Dom Lobino, qui ont accepté les principes de cette critique historique et qui ont commencé à contester, à mettre un petit peu de l'eau dans leur vin en disant « Oui, c'est vrai qu'il y a une partie mythologique, légende, fable, et puis une partie vraie historique. » Et chacun a commencé à faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux. D'accord. Et que moi, j'aime à rappeler l'origine du mot légende, c'est du latin, legendere, ce qui doit être lu liturgiquement. C'est-à-dire, c'est ce qui est le plus précieux, en fait. Et maintenant, dans le sens, légende, c'est devenu ce qui est le plus fabuleux. Quoi. Comme si on était des Grecs à inventer des mythes, alors que notre foi, elle est basée sur une histoire vraie. C'est comme si on disait Sainte Jeanne d'Arc, en fait, c'est un mythe. Mm-hmm. C'est un beau mythe, c'est à la gloire de la France, etc. Ben non, moi je crois Jeanne d'Arc et je crois Drenalus, Maximin et Claire de la même manière, quoi. D'accord. D'accord. Écoutez, chers amis téléspectateurs, l'évangélisation de la Bretagne au 1er siècle, c'est Arnaud Bouhan du Chef du Boss. Et c'est paru aux éditions Les Trésors de nos Pères. Trois, de fait, très belles légendes. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est que, enfin, légende au sens historique du mot, étymologique du mot, mais ce que je trouve très frappant, c'est que ces légendes, où que vous alliez dans n'importe quel sanctuaire, elles surgissent en quelque sorte. Et vous n'avez même pas besoin de creuser. Ça vous saute à la figure. On vous dit, tiens, y a machin. En fait, cette déformation-là, c'est le nom de machin qui est dans le canon romain, qui est dans... Absolument. Et voilà, je trouve que c'est une très jolie histoire. Et puis alors, la quatrième de couverture, moi j'avoue que je ne suis pas breton, mais je suis très sensible à ça, à la vieille foi de nos pères, foi et Bretagne. Je trouve que c'est très, très catholique dans la mesure où c'est très incarné. C'est notre histoire, c'est pas mythologique, c'est enraciné dans quelque chose de concret. Merci beaucoup, cher Arnaud. La semaine prochaine, ce sera Jean-Pierre Mogente qui animera l'émission Terre de Mission. Nous nous retrouvons quant à nous dans 3 semaines. D'ici là, je vous souhaite évidemment de très saintes fêtes de Pâques, une très belle semaine sainte. Et d'ici 3 semaines, que Dieu nous garde.